Je te fais une fleur. Ok. J'ai du cœur. Je voulais regarder toutes tes vidéos, mais avec ta tête de séducteur, j'ai eu peur. C'est du bluff. J'ai eu l'œil. Et une preuve. Je les ai vues, tes interviews. Je voudrais pas être réducteur, mais quand tu poses des questions, moi j'en ai qu'une seule. Pourquoi, en pleine vidéo, tu sors une barquette de frites et un tacos légumes bœuf? C'est plus l'heure. La vidéo commence, le mec, il pose une question. Jusqu'à là, c'est pas dur. Sauf qu'on entend moins la réponse que lui qui déballe son papier à lui. Mec, tu t'affiches. Sauce blanche dans la bouche, tu demandes à la gazelle si elle en a pas marre qu'on la sexualise. Tu m'étonnes que tu galères avec les femmes. Comme c'est malin, tu leur poses des questions, elles te posent des lapins. Oh, regardez la vidéo en entier, c'est une vraie prise de tête. Et si tu la supprimes, c'est con, gelé, comme tes frites de merde. Oh, je suis sur le coup comme une pomme d'Adam. Fallait tourner une vidéo par la broche à viande. Et je vais pas te faire la morale. Je te dirais bien que pour faire ça, faut vraiment être un âne, mais j'ai trop peur que tu me répondes que t'aimes pas le fromage. Pain, sauce et frites. Je te refais le portrait jusqu'à ce que mon pinceau s'effrite. Okay. Rapide et sans douleur, j'ai du savoir vivre. Le temps que je t'exécute, ton tacos, il aura pas refroidi. Mon grand, j'hallucine. Poulet frites, sauce, viande coupée fine comme tes chances de percer dans la musique. Mais si ta carrière reste une belle misère, tu peux toujours ouvrir un kebab. T'en maîtrises déjà les règles d'hygiène. La vidéo n'est pas très flatteuse. Les mains grasses, tu te lèches les doigts. Comme quand tu voudras tourner la page après ce battle. Et sache que le sucre, ça attaque les gencives. Tu te lèches les doigts, puis tu te les mets dans les oreilles quand on te parle de dentiste. Donc il faut que t'arrêtes le soda. Tu rappes comme un gangster, mais tu dégoupilles que des canettes de coca. Quand tu fais le méchant, c'est le bouquet. Dans ton kebab, y a pas beaucoup de salade. C'est normal, t'as tout mis dans tes couplets. Une hygiène de vie catastrophique. T'as à la fois une tête de vieux et une bouille de genou. Je veux pas savoir ton âge, mais si t'as grandi avec des kebabs à 5 ou 9 euros. Et je voudrais pas marcher sur des œufs. Mais ce soir, je vais m'en sortir indemne, comme un kebab après une émeute. Ce soir, pas d'interview, il sera pas long le débat. En une seconde, je t'efface. Hier, tu posais des questions, aujourd'hui, tu vas répondre de tes actes. T'as commencé en face, Cam, puis tu fais le roar 1 sans que personne comprenne pourquoi. Ce jour-là, ta perf et celle de Batman fait peur. Je suis venu pour te mettre la face contre les meubles, comme ces mecs qui se tapent contre les keufs. En résumé, t'arrives surcoté comme Louvre au rap contender. Okay. Alors oui, t'as fait le premier battle de l'histoire du roar, mais c'était pas fou. Donc sur toi, qui a parié? J'ai fait 3 fois le roar, ils ont pas rappelé mes adversaires. Dois-je te rappeler ce qui va t'arriver? Parce qu'ici, bah t'es rien. Moi, j'aime pas tes rimes. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis pas tes rien. Toi, t'es pas terrible. Bref, roar 2. J'ai pas compris pourquoi autant de jubilation. Elle était humide la leçon, mais pas utile à ce con. Quand j'entends de ta VS Dams, j'entends humiliation. Et j'ai remarqué que quand on touche, ça t'énerve. Mais faut avouer que t'as fermé ta grande gueule quand de taf t'as secoué. Non mais sérieux, mon village, body bag, ton village, nique ta mère. T'as osé comparer Montélimar, capitale du Nougat, à Saint-Gaudan. Vous voyez pas c'est quoi? Ben c'est un village où il y a 5 Gaudan. 6. Un village où on met 5 godes en toi. Le nom de tes potes, c'est Saint-Paul-Antoine. Vous avez tous un pote violeur à faire une syncope en soi. T'as parlé de Montélimar alors que ton village s'est même fait bodybag par le syndrome Andra. Okay. Donc retourne à ton beau rang, on te file au chemis toute une île, grosse bitch. Roar 3, Marseille, ville de tous les possibles. T'y étais, c'est ce que certains diront.
Perso, j'avais oublié ta présence sur cette édition. Je me suis dit, pourquoi j'ai pas regardé ce battle? Mais tant pis. J'ai regardé, j'ai compris. Bien que j'ai oublié ta presta alors que j'étais présent pour soutenir mes refs, sur la vidéo, dans ton bac, on voit Rodka qui courtise tes seufs. Mais demander la protection de ses anciens ennemis, ça, c'est la technique des feuges. Roar 4. Ah non, tu étais pas. Roar 5. Roar 5, t'as réussi à donner du charisme à Wolf. T'as mis aucune. C'est pas sympa. T'as réussi à donner du charisme à Wolf. T'as mis aucune pression au 4. T'avais tellement pas de présence que j'avais l'impression d'être au Roar 4. Tu sers d'appui et t'as du cran à la capella. Mais les 4 ont poussé Wolf sur toi et t'as disparu du champ de la caméra. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ouais gros, médite là-dessus. T'as disparu du champ de la caméra, puis t'as vraiment disparu. Et 2 ans après, maintenant que notre style est à l'âge d'or, ouais. Toi, tu fais ton retour. Mais à la job, faire son retour dans la ligue concurrente, mais quelle horreur. Et comme si c'était pas suffisant, il a failli refuser ce match pour aller faire le takeover. Au final, tu l'as annulé pour venir te la péter sur Paname. Non, la vérité, c'est que t'as accepté ce match parce qu'il y a Wojtek sur la carte. Je dirais que tu manques de reconnaissance. Comme toutes les ligues envers tous les MC de ce game, t'as un parcours de Skeg, comme si ta carrière était tout droit sortie de la bouche de Skeg. Enfin bon. Enfin bon, c'est un tremplin ce con. Un round, je te bodybag, tu repartiras sans un son. Le titre de ce battle, ça sera tuto, comment détruire une carrière en 120 secondes. Bam. J'ai remarqué un petit truc, c'est que tu dis plus souvent « nique ta mère » que « s'il vous plaît ». Nique ta mère. Ah bon? Bah bah oui, obligé, obligé. C'est la virgule. Tu te comportes avec insolence, j'y vois un manque de confiance en toi. Et je sais de quoi je parle. Moi aussi je suis insolent et j'ai pas confiance en toi. T'es mal poli, t'as plus de vis que de bon fond. Puis y'a qu'à regarder tes dents pour savoir que c'est pas arrivé souvent que ta mère te prive de bonbons. Toi, c'est sûr, au collège, tu te faisais renvoyer en boucle. Toujours en heure de colle pour te punir, on t'envoyait en cours. À chaque fois que je vois une vidéo de Slux, il fait des doigts d'honneur. C'est insensé, mais au moins quand tu fais des doigts d'honneur, t'es pas en train de manger. Grossier et mal poli, on te récompense pas. Tu vas pas t'en sortir si tu surveilles ta ligne comme tu surveilles ton langage. Si tu parles comme ça au boulot, tu vas te faire admonester. Tu sais pas ce que ça veut dire? Aller au boulot, ça veut dire avoir un métier. Aïe, aïe, aïe. Hey. Déjà qu'il est mal poli, j'affronte un chômeur de plus. La seule fois où t'as laissé ton siège à un handicapé, t'as perdu ton job de chauffeur de bus. J'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Imaginez l'éducation quand il aura fait des gosses. Slux, il les engueulera s'ils sont à table pendant qu'ils sont sur leur téléphone. T'inspires pas la confiance. Quand tu fais les boutiques avec ta femme, tu joues les bobos gauchistes. Quand elle a froid, tu lui prêtes ton manteau. Sauf qu'en sortant du magasin, c'est elle qui sonne au portique. Ah, ça se fait pas. Si je te termine ce soir, je te rends service. Tu manques de savoir vivre, mais là, c'est moi qui suis sans merci. Je t'envoie dans le décor. T'es venu faire des manières, moi, pour t'apprendre les bonnes. T'es venu faire l'insolent, mais là, tu repars aussitôt. Tout ce que t'as d'une vie d'ange, c'est que t'es pas au niveau. Ça me dépasse, pas de lézard. Si je te parle d'honneur, c'est pour te faire un couplet qui parle de kebab. Donc la prochaine fois que tu diras nique ta mère, tu repenses à tout ça et tu t'assagis. T'es arrivé en retard en cours, moi je t'envoie en avance au paradis.
parler sur la mère des gens. Je trouve ça abject et lugubre. Mais après tout, moi aussi je peux le faire et te faire galérer d'une ruse. Donc le premier qui réagit à son couplet, sa mère c'est une pute. On va le trouver celui qui rigole. Et baiser sa mère. Nique ta mère. Nique ta mère. Let's go. On n'est pas venu voir des chatons miauler, on est venu voir des lions rugir. Plus rien me surprend, ce gosse étrange. Zama, t'es un lion, tu plantes le croc étrange, tes adversaires, mais là tu tentes de me gober le gland, donc tu pourras jamais être un lion parce que tu manques de pilosité. T'as le physique d'une fille sage, 23 ans et la calvitie du visage. Ça va être très sanglant, je te vois t'es tremblant, car on se demande étrangement si tu es transgenre. À son accouchement, Wolf est sorti avec la touffe de sa mère sur la tête. Toi, t'es sorti en laissant tous tes poils sur sa schneck. Et sur ta carte d'identité, t'as 18 ans. Mais si on regarde juste sur ton visage, il y a 18 angles. Quand tu sors d'un kidnapping, on se demande depuis quand. Ton visage reflète ta vie parce que ça manque de piquant. T'as le visage pâle et pas de peau. Sur ta peau, il n'y a pas de poils. Mais tout ça, c'est à cause de ton manque de calcium. Et là, je sens grave que t'as le seum parce qu'elle a que 7 ans, mais tu fais quand même la taille de ta sœur. Mais t'es quand même un grand garçon. Mais t'es quand même un grand garçon. Même si tu fais la taille d'une jambe d'Enjoy et que tes t-shirts, c'est ses caleçons. Faut que tu grandisses, grand, il serait temps de s'y mettre. Mais marche pas sur les pieds juste pour prendre 10 cm. Les gens pensent que t'es discret, si c'est trop. Parce que moi, je vois bien que t'es sur la pointe des pieds juste pour être dans le cadre de la vidéo. Et t'as beau nier, vieux, arrête. Dans ton battle compte de taf, on voyait que ta tête. Donc tu manques pas de cohérence, ça on l'accepte mon zinc. Mais tu manques de coffre et je pense que tes chances de pas perdre sont minces. T'as le style, le niveau, la tête de tout le monde. Ton surnom c'est Dams, comme tous les Damiens de la Terre. Ton surnom c'est Dams, comme tous les Damiens de la Terre. Ça reste cohérent pour quelqu'un de lambda, ça se tient, j'accepte. En battle, tu te démarques pas. Et professionnellement, t'as du mal à décoller. C'est cohérent. Tu plantes des battles pour les études. Tu galères dans les études pour des battles. C'est cohérent. Je comprends que tu puisses le reprocher aux autres car t'es cohérent. Mais le niveau de ta cohérence montre l'écart de niveau entre ton niveau et ta cohérence. Ok, let's go. Perdre l'originalité pour la cohérence, y'a que toi qui veux faire ça. Donc maintenant qu'on a montré que t'es cohérent, que les autres ne sont pas cohérents, ben on préfère ce qui est pas cohérent. Et ça, c'est pas cohérent. Okay. Let's go. Tu dis que dans mon visage, il y a 18 angles. Ferme ta gueule, dans le tien, il y a 18 dents. On m'a rapporté que t'avais des valeurs douteuses. Tu cours après le succès. Mais moins vite que la rumeur, comme quoi t'écris pas tes battles tout seul. T'aurais des ghostwriters, écrivains fantômes, pour t'indiquer le sens de la marche. Mais moi, je crois pas aux fantômes. T'as besoin de personne pour te mettre dans de sales draps. Arrêtez de croire qu'on écrit les battles pour Slux. De Taf et Saminem te donneraient des phases. Arrêtez de croire qu'on écrit les battles pour Slux. De Taf et Saminem ne te donnent pas leur phase. D'ailleurs, ils te donnent pas leur tout court. Ils écriraient pour lui, moi je vois pas en quoi. Tout ce qu'ils t'écrivent, c'est des cartes postales, des vacances où ils partent sans toi. Les gens qui pensent ça, ils t'ont surcoté. T'as pas des ghostwriters, tu te fais juste ghoster. Puis même quand de l'argent, il vaudrait pas s'embourber. Si De Taf te demandait sous, c'est pour ce kebab que t'as toujours pas remboursé. Donc maintenant, on arrête ce long débat. Moi, j'ai vu son cahier de brouillon. Et c'est la même écriture que le chèque qu'il m'a fait pour pas que je donne l'adresse de son kebab. Mais moi, je la connais pas. Tes potes t'écriraient 10 phases sur 15. C'est assez colossal. Merde. Let's go. Allez, go, go. Tes potes t'écriraient 10 phases sur 15. C'est assez colossal. Mais la seule fois où tu mets l'heure, dis,
Vert, c'est quand tu te lèves plus tôt pour aller au chômage. T'es au chômage et t'écris tes battles tout seul, t'as du mérite, c'est bien. T'as tellement de temps libre, t'aurais même pu écrire les miens. Mais après tout, peut-être que t'as vraiment un écrivain fantôme, mais que tu réponds jamais quand il t'appelle. T'as trop peur que ça soit pour un entretien d'embauche. Du coup, c'est vraiment toi qui écris tes couplets qui parlent de baril de poudre et de calibre 12. Maintenant, faudrait que t'écrives un CV et dentifrice sur ta liste de courses. Moi, je suis pour que les tricheurs, on les rase de la carte. Mais toi, il n'y a qu'à regarder tes dents pour savoir que c'est pas tes potes qui te mâchent le travail. Dans ton dernier battle, t'as dit « C'est rudimentaire ». Pas mal, mec. Ça rime avec du fil dentaire, mais comme si toi qui l'as écrit, ça t'est pas passé par la tête. Slooks, laisse tomber tous ces complots d'ivrogne. Moi, j'y vois un compromis d'or. T'as là une super excuse pour justifier d'avoir un jour écrit un nom aussi moche. Tu demandes rien à personne, j'ai pas de doute dessus. Tout ce que t'as demandé, c'est des droits d'auteur pour la dégaine de requins dans foot de rue. En plus d'écrire tes battles, t'écris tes chansons. C'est vilain. Tu perceras jamais dans la musique, mec. T'écris bien. Ok. Mais tu restes un type téméraire, t'as des rimes, des vrais textes. On peut tout te reprocher, mais pas d'écrire tes défaites. Oh. Oh. Let's go. Let's go. Paps, dis à Mams qu'elle me calme sur les coums. C'est ça qui a inspiré ton blaze et tu commences à me peiner. Mais j'ai honte pour l'aurore à savoir que c'est comme ça que t'es né. On m'a dit d'arrêter de parler de K5, que ça serait peut-être pas mal. Mais si on voulait pas qu'il ait de traumatisme, on aurait pas dû présenter Kev à Dams. Tu mets des S partout, grosse galère. Le matin, il fait des grâces, Mams. Comme sa mère. Et quand Jamel Debbouze nous dit qu'il fait une crise, Dams, c'est parce qu'il fait vraiment une crise, Dams. On n'a pas le même sens de la créativité, c'est foutu, c'est essayer de paraître hautain. Faut pas faire d'amalgame, pour moi les cops, c'est pas mes copains. Ok, ok. En date, quand elle voit que ton blaze c'est un sketch de Mister V, impossible que la Mister voit. Je m'appelle Damien, c'est ce que tu t'apprêtais à dire pour causer aux femmes. Mais sous le nom de Damien, t'en avais marre d'enchaîner les échecs, donc t'as préféré jouer au dance. Je me fous de ta gueule, mais c'est drôle, faut que ce qu'on le sache. Pour montrer que t'as de la suite dans les idées, t'as viré la suite de ton blaze. Alors écoute-moi bien, Famacito. T'aimerais aller au RC, tenir le titre de champion à bout de Brahms, manger des Mars dans les loges avec Batsam et boire trop de Colal. Mais tu connais, pas de Brahms, pas de Chocolams. Ok. Nice, nice. T'as raccourci Damien pour Dames en pensant faire grave d'oseille. Alors que moi, sur mon PC, Dames, c'est le raccourci de la corbeille. Tu rappes pour qui? T'es pas allé chercher loin ton blaze, normal qu'il soit raccourci. Parce que Dams, ça fait grave pétasse. Mais si tu voulais être le schlag des clashs, t'aurais dû réduire encore plus ton blaze et tape les das. Et je dirais pas que t'es pédé ou que tu génères des dos, mais le matin, tu prends jamais de tasse. Toi, tu préfères les balls. Les balls. Tu mets des S où il n'y en a pas besoin. Tu vois pas ce qui cloche? T'as modifié la moitié de ton identité pour plaire sans doute. Mais si tu veux être franc, sois Damien, il faut que tu cherches l'embrouille. Oh. Ah ben c'est de moi. Il faut que tu cherches l'embrouille. T'es un fams, t'es ni un fans, ni une fams, t'es un phasme. Ta façon de parler, ça m'attriste et j'avoue, t'es limite autiste, à la fois attractif et balourd. En cas de problème, il va se plaindre à l'âme, et Mams. Oh. C'est le diminutif de la manif et madou. Oh. C'est en soum-soum qu'on fait des soums, sinon on se les fait voler par Slooks. Parce que les gars comme Nooms, on prend votre argent. Mais si vous nous mettiez pas tous dans le même sac, on prendrait pas ce qu'il y a dedans. Ok. T'es une merde. Impossible que pour l'un d'eux t'existes. Avoir ton blaze, note bien que c'est triste parce que t'as troqué la moitié de ce que tes parents t'ont donné pour un peu d'estime. Conclusant que c'est toi qui es à la base du drame. Je te souhaite d'être à fond sur l'autoroute et que ta voiture crame. Ton blaze te donne pas plus d'âmes. Au final, quoi que je clame, l'important c'est que toi tu clames. Times. Bravo mec, bravo.